Bonsoir à toutes et bienvenue dans votre émission de musique locale Couleur Pays, l'émission qui vous permet de découvrir le milieu artistique local, les gens qui font la scène réunionnaise, qui chantent, qui dansent, qui produisent des disques, qui produisent des spectacles également, qui font des tournées, bref, qui portent la musique de l'océan Indien très haut et très loin. Il fait partie de cela, il est dans notre île depuis un moment, il produit sa musique, il en est à son deuxième album. Lui, c'est Aubin, ce chanteur qui nous vient de Rodrigue, et qui a déjà réalisé beaucoup de tubes pour vous et pour notre plus grand plaisir. Ce soir, invité dans votre émission de musique locale, Couleur Pays. Couleur Pays avec Eric. Aubin est avec nous maintenant avec un deuxième album qu'il vient de réaliser après Robert Soulard. C'est Merci la vie. Aubin, bonsoir. Bonsoir, Eric. Oui, merci la vie. Mais merci la vie avant tout. C'était une petite pensée pour ma famille. Ma femme et mes deux enfants. Comme si je t'écoute bien le morceau, je vais t'en dire que me dit le nom de mes deux enfants dedans et le nom de ma femme aussi. Mon chéri Coco, voilà, c'est pour ma femme. Et en plus, c'est pour remercier voilà, les gens aussi qui. Je viens de commencer à faire de la musique. Voilà, qui est là, qui apporte du soutien, qui m'encourage. Ben merci la vie, c'était mon premier pensée pour le titre de mon deuxième album. Voilà, pour dire merci à vous toutes. Et à tout ce qui t'arrive. Voilà, tout ce qui m'arrive. De positif. De positif, voilà. Parce que la musique, quand ça marche, quand on est avec des copains, quand on est avec les autres artistes, qu'on se rencontre dans les soirées, dans les studios, etc., c'est beaucoup de bonheur. Ah oui, c'est beaucoup de bonheur parce que, voilà, c'est pour dire qu'ici, j'ai eu l'occasion de rencontrer pas mal des artistes dans des soirées. Et voilà, on arrive à parler. Voilà, il y avait FJ, j'ai déjà rencontré FJ dans une soirée. On parle un petit peu, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on ne fait pas, notre projet. Mais en fin de compte, on partage plein de choses. Cette idée de partage est importante en musique et il faut la garder. Et c'est ce que tu as retenu le plus et ce que tu apprécies le plus. Et tu dis merci à tout le monde et merci à la vie, tout simplement. Tu en es à ton deuxième album, c'est ce qu'on disait. Le premier a été une surprise pour tous les gens, tout le monde. On ne connaissait pas, et du jour au lendemain, quasiment, Aubin est devenu quelqu'un de connu pour nous à La Réunion, avec Robert Soulard, la fameuse chanson, qui était à la fois humoristique et bien pensée. Oui, ben Robert Soulard, ben, au départ, Robert Soulard, pour dire que c'est un morceau qu'il m'a fait pour rendre hommage à mon pays, à l'île Rodrigue. Pour dire vraiment le texte Robert Soulard, comment c'est venu dans ma tête, l'inspiration comment est venue. Parce que Robert Soulard, c'est un vieux morceau, c'est un morceau qui date que traditionnel que le vieux était chante avant. Parce que c'est les grands-parents qui nous ont raconté tout ça. Avant, les grands ils se bataillent pas entre eux. Les voisins, les voisines, c'est ils chamaillent pas. Ben il écrit, il comprend des mots sur un l'autre. Voilà pour me casser un petit peu comme nous dit à La Réunion. Mais après, moi, pour rendre hommage à l'île Rodrigue, c'est vrai, c'est un morceau que m'a vraiment apprécié, Robert Soulard, mais les morceaux ne chantent pas comme ça. C'est-à-dire, moi, j'ai changé la mélodie carrément. Parce que le morceau te chante avec les tambours, ben, traditionnels, te chante Robert Soulard arrivé, Robert Soulard, yo. Robert Soulard arrivé avec bouteille du vin dans la main. Ouverte la porte, madame, ouverte la porte. Ouverte la porte, madame, laisse Robert Soulard entrer. Oui, c'est plus dans un chant traditionnel et plus proche de ce qu'on fait dans le Maloya, voilà. Ce genre de choses. Et moi, comme avant, quand j'étais à Rodrigue, moi, je travaillais à l'hôtel. Ben, à chaque fois qu'on avait la danse traditionnelle, les groupes, ils arrivent, ils chantent ce morceau-là. Et en même temps, ils dansent. Ben, c'est pour ça, moi, ben, pour rendre hommage à cette chanson-là et à mon île, j'écris les couplets. C'est-à-dire pour dire quand le morceau commence, comment les filles se préparent, le morceau. Comment les garçons se préparent pour danser, tout ça. Et après, j'ai changé carrément la mélodie et voilà, j'ai dit « Ouveate la petite madame ». Et m'a fait ça comme ça, hein. M'a fait ça comme ça. C'est vrai que le morceau, nous l'en restons deux fois. Parce qu'il en reste une fois. Et c'est vrai comme, par chance ou par malchance, c'est un album qu'on a enregistré en 2008. Ben, en 2010, comme je voulais rentrer à Maurice, pour aller poser la voix finale, tout ça, parce qu'on a fait que la base. Ben, le Michel Nani, c'est lui, c'est dans son studio. Enfin, quand il a perdu tous les fichiers. Oula.
Ben moi, j'avais encore la maquette, la base. Ben là, j'ai fait écouter mon copain guitariste Chris Joe, que bon, peut-être les gens ne connaissent pas lui à La Réunion, mais c'est quelqu'un qui accompagne pas mal des artistes réunionnais, comme tu es en studio, hein, comme c'est Gaël, Giovanni, À Maurice, oui, qui accompagne Alain en live. dans le studio Capricorne, Capricorne, lui un petit peu, et partout. partout, il bat de carré. Et quand il a écouté la maquette, il a dit à moi, hein, Aubin, c'est pas ça, ça. On va restructurer le morceau, on va mettre le morceau plus typique, c'est-à-dire Ravane, l'assise Ravane, tout. Ben là, il a fait le morceau. Bon, après, il m'a dit, quand on a fini, il m'a dit, Aubin, pour lui, il sait pas, mais il sent quelque chose dans le morceau. J'ai dit, bon, ben, tu sens quelque chose, t'es musicien, moi, je suis que chanteur. Il dit, ben, on va voir. Ben, c'est vrai, voilà, on a pris le temps de sortir l'album, tout. Et ça fait un Ben, succès. après, ben, quand les Donc gens aimaient, ben, les gens aimaient. c'est un morceau qui a connu plusieurs vies. Donc la première vie traditionnelle, une deuxième vie avec un premier arrangement. Voilà. Comme par le fait exprès, tout a été effacé. Puis tu rencontres ce musicien qui le remet encore à sa sauce, Voilà. avec un aspect peut-être un petit peu plus traditionnel, Plus, tout en restant ouais, dans la plus ambiancé, modernité, voilà. plus ambiancé. Et finalement, ça fait une... Donc ça, c'est le destin. On écoute un extrait de musique, justement, dans votre émission de musique locale, Couleur Pays, avec Aubin, c'est notre invité. Il va nous parler de son nouvel album. Juste après ça. Bonne écoute.